Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je sors de 2 heures de bronzage. Je suis très fière de moi là. Je commence à voir la marque. On est en mai, hein. On est en mai. Et la dernière fois, j'ai fait un petit get ready with me où j'ai raconté ma vie pendant qu'il y avait D-Max à côté de moi. Bon, là, il n'y a pas D-Max, mais je me suis dit pourquoi pas continuer à raconter sa life. Donc, déjà, je vais commencer par le fait aujourd'hui, je me suis fait exclure de cours. En fait, j'ai un prof de français qui me saoule un peu en ce moment, genre. Et aujourd'hui, j'avais une heure de maths, 2 heures de français et 1 heure de maths, genre. Donc, un peu chiant. Et du coup, quand je suis allée en français, en français, en fait, en gros, t'as 1 heure de demi-groupe, genre. Première heure de... Oh, je sais pas raconter ma vie, ok. En gros, première heure de maths, on est en classe entière. Deuxième heure de français, enfin... Après l'heure de français, on est toujours en classe entière. Et là, après français, on est en demi-groupe et maths, demi-groupe. Je pense que vous avez capté maintenant. Et est-ce que vous voyez ce que c'est les gommes en mi? Genre, normalement, il y en a peut-être dans vos cours d'art plastique ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'est des gommes qui sont molles et que tu peux malaxer. Et moi, je kiffe ça. Et il y a genre 2 semaines, il y a une fille avec qui j'ai fait 1 heure de perm qui en avait une. Et elle m'en a passé un bout. J'étais refaite, ok? Et du coup, bah depuis, bon, moi, je fais que de l'apprendre. Genre, en gros, je suis toujours en train de la malaxer. Gros, je fais... On dirait de la... En fait, c'est comme de la pâte à modeler. Et du coup, je suis là. Je fais des figures et tout en cours. Et je vous jure, je m'éclate. Je dirais une gamine de 8 ans. Et du coup, moi, j'ai ma petite gomme et tout. Et je l'écrase sur la table, en fait. Et j'étais en demi-groupe et j'étais seule. Genre, en gros, moi, j'étais un nounou, j'étais seule. Parce que voilà. J'ai pas d'amis. Et le prof, il voit que j'ai ça et il me dit, ouais, donne-moi ça. Et moi, je lui dis, non, mais monsieur, c'est une gomme et tout, s'il vous plaît, jetez pas. En plus, la gomme en demi, comme ça coûte cher. Vraiment, ça coûte vraiment cher. Il me dit, donnez-le-moi. Et là, je fais, non, mais monsieur, par contre, c'est vraiment une gomme, s'il vous plaît, le jetez pas. Je lui donne. Et c'est quoi le premier truc qu'il fait? Il met à la poubelle. Il a pas compris ou quoi? Bref, et du coup, bah, moi, je fais quoi? Là, moi, j'aime pas me faire respecter comme ça. Moi, je te dis quelque chose, je te dis, là, mets pas la poubelle. Si tu veux, j'utilise pas, mais tu mets pas la poubelle. Il met à la poubelle. Ah. Du coup, moi, je fais quoi? Je me lève, je vais à la... Sachant que c'est tout au fond, je vais tout devant pour aller chercher ma gomme dans la poubelle. Genre, en mode, je prends la poubelle. Et en fait, il me dit, retournez à votre place sans la poubelle. Moi, je prends la poubelle parce que sur le coup, j'avais pas vu qu'elle était dans la poubelle. Du coup, je commence à faire 3 pas, je la vois, je la prends. Et après, je tends la poubelle au prof pour qu'il la reprenne. Et au final, il se décale. Et du coup, je la repose par terre et je reviens à ma place. Et genre, moi, je dis rien. Et après, le prof, il dit, oui, quelqu'un pour accompagner Ambre à la vie scolaire. Ça va, hein. Vous savez pourquoi il m'avait exclu? Parce que ça fait 2 fois que je me fais exclu par ce prof. Vous savez pourquoi il m'avait exclu la dernière fois? J'avais un élastique, genre, et j'ai fait ça. En tout début de cours, vous voyez, au début de cours, il y a un peu du bruit et tout. Et ben en mode, moi j'ai fait ça, je parlais pas, hein. J'étais une des seules qui parlait pas en plus. Et j'avais fait ça sur un pot à main, genre comme ça. Et là, j'avais pas lancé de la si grand, j'avais fait semblant. Et là, le prof il m'avait exclu parce qu'apparemment c'était acte de violence, genre c'était un signe de violence. J'avais pété un câble, j'avais dit, mais foutez ma gueule, faites vos cours de merde et tout. J'étais saoulée. J'hésite trop à me faire un plaquage parce que j'ai les cheveux extrêmement gras là. Parce que bah du coup, même si j'avais les cheveux attachés, bah quand tu bronzes, tu transpires. Et du coup, voilà. En fait, je l'ai laissé comme ça, sinon on dirait que je suis blanche en fait. Je vous jure, je suis pas... Bref, et du coup, ça veut dire que j'ai 2 heures d'exclusion. Mais je pense en fait, à cause de ça, je vais pas avoir les félicitations. Bisous à tous.